Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Nous les appelions les Francs. En très grand nombre, à cheval comme à pied, seigneurs comme roturiers, ils franchirent la frontière de l'Est avec l'envie de combattre et de piller. Leur ambition, s'emparer de la ville sacrée de Jérusalem, ainsi que de Bilad el-Sham et au-delà. La terreur s'est répandue parmi les musulmans. Ville après ville, nous avons capitulé. Les infidèles l'ont emporté, mais nous répondrons à leur conquête sans foi ni loi, par le rugissement de nos vertueux lions. Ces pages racontent l'histoire de notre lutte, du courage des grands hommes qui se sont battus pour notre terre et pour notre foi. Avec la grâce de Dieu, ils dégainèrent leurs épées, aiguisèrent leurs lances et gagnèrent leur place dans notre mémoire éternelle. Cette histoire commence dans le dernier bastion des fidèles, l'ancienne forteresse de Tyr. Que Dieu la protège. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Et tandis que les réfugiés cherchaient à s'abriter entre ces murs, Tyr se préparait à affronter une machine de guerre franque, d'une ampleur sans précédent, je confirme. Elle m'a roulé dessus. Mais là, c'est bon. On a assimilé la technologie et la technique. Donc c'est parti. Le port de Tyr avait une fois de plus résisté à la conquête. Mais cette année-là, le roi de Jérusalem attaqua avec une ardeur renouvelée. Pressentant la disparition de la ville, le gouverneur de Tyr supplia le souverain de Damas d'envoyer en hâte de vigoureuses forces à sa rescousse. Donc. En toute hâte, le très honorable Tuktekin se dirigea vers la ville à la tête d'une armée turque d'archers à cheval. Il prévoyait de saper le siège en attaquant les ressources des Francs. Donc là, on a une cavalerie, hein, oui, qui peut tirer en courant, ce qui est plus agréable et utile. En fait, ça fonctionne. Pose difficulté, évidemment, pour moi. On a pas forcément la première phase, parce qu'il s'agit d'éliminer. Tuktekin avait des cavaliers inégalés. Leurs sabots tonnaient et leurs flèches volaient. Ils frappaient à une telle vitesse que l'ennemi ne voyait pas venir l'assaillant. Ça va être les phases suivantes. Sans hésitation aucune, Tuktekin détruisit les camps francs. Plus il en rasait, plus il affaiblissait l'attaque sur Tyr. Et heureusement. Je puis dire, heureusement qu'on l'a fait vite, c'est pas très bien. Pas dans quel temps dans le film. Mais bon, comme d'habitude, voilà, on a été trop léger sur la prod.
Cavalerie, c'est dommage, mais ok. Abusé parce que normalement je suis à 70 km et puis c'est plus. Un goût, justement. Donc ça c'est très dur. Guerriers et réfugiés arrivés par la terre et la mer, désireux de combattre. Donc, le village voisin servit de lieu pour rassembler une armée redoutable. Des eaux de pêche riches se trouvent près du rivage. Les Damasènes n'avaient qu'à y envoyer certains d'entre eux pour pêcher. Ainsi, aucun soldat n'aurait à supporter les gargouillis d'un ventre vide. Chut.
Non, ça devrait suffire. Putain, mais oui, c'est vrai. Donc, je vais le faire. D'après les rapports, les Francs avaient rassemblé un énorme stock de bois. Ce bois était sans aucun doute destiné à leurs armes de siège. Mais le bois est très inflammable. Je veux bien quand il dit ça, mais en fait, c'est ça. Mais en fait, je suis obligé de construire un truc ici. Allez, cross finger, it's time to go there. ماذا؟ سأذهب
Okçular, hazır. Al hayalatu musta'idun. Irkabu ayyuhal hayala. Saf'al. Irkabu ayyuhal rabahoun. Al fursan. Okçular, Asanki geldi. Mustafa esma'u. Şahriz kamata. Vur. Hayır. İn hina okçular. Çekin. On va passer à la chute. Madame. Ya anut kılın. Kemankeş, cevval olun. Harram mahun. Hadiru okçular. Okçu. İlgin. Amrok. Okçular. Hazır. Ot gerekir. Çakıtırın. Okçular, basın! Çakıtırın! Okçular, çekin! Buyruk mu olursun? Yap! Okçular, otka! Buyruk olursun. Okçular hepreş. Olur. Ya çapıtırız. Okçu ilgerir. Ya olur. Okçu ilgerir. Fansa. Okçular fansa. Okçular hepreş. Harayna. Okçular fansa. Ot gerekir. Buyruk olursun. Jahrifu rimahakum sa'afalu jahizun. Bimatam hasanan. Akta, ataharrak. Okçular, çekil. Buyruk olursun. Hayya, hayya. Okçular, Asanki geldi. Aran, hayyanatu musta'addun. Okçular, Asanki geldi. Cahizun! Okçular! Hazır! Osmudul an! Bulun! Okçular! Çekil! Ayyuh el kaşata! Amruk! Ostafu! Okçular! Afen şikendi! Ce que je peux faire? Amruk! Merde, pas encore. Donc le bois soit très inflammable, ça je peux l'entendre. Est-ce que tu veux jouer là au niveau de la défense hein? À cette époque, les Francs servaient le roi Baudouin de Jérusalem, un homme dont le désir inflexible était tourné sur la conquête de Tyr.
les hommes de Baudouin lancèrent la construction d'une arme de siège colossale. Une bête sur roue, un bélier à la puissance fracassante, un annihilateur de ville. Les Damascènes eurent peu de temps pour rassembler des forces avant l'attaque titanesque. Bien que les murailles de la ville aient sauvé Tyr d'innombrables attaques, elles faisaient face à un défi d'une ampleur inimaginable. Dans la ville, chaque archer, artisan, forgeron et marin fut appelé aux murailles à l'heure la plus noire de Tyr. Trop le choix en fait. Sans relâche, les Francs obéirent aux ordres de leur roi, travaillant jour et nuit pour construire sa machine de guerre. Malgré sa férocité, la faiblesse de la bête résidait dans sa construction en bois. C'est pas prévu ça. C'est un peu abusé, mais si ça passe, tant mieux. Je
Les Francs achevèrent la construction de leur colosse infernal. Allez, chaud patate, hein, j'annonce. Non, faut produire. On sait que là il ne veut pas plus. Il faut qu'on soit très fort en termes de destruction massive. Je demande toute confiance dans mes équipes. Allez, il faut vraiment montrer qu'on en a dans le pantalon. Mustaid.
Okçular, hemen geçin. Okçular, hep geç. Okçu. İlgin. Ansa. Buyruk bolursun. C'est trop. Mais c'est trop, c'est tout ce qu'il y a derrière qui fait trop mal. Oh, on a un paquet qui sont envoyés. Que la bête se frayait une voie difficile, les Damasènes lancèrent leur cri de guerre, ralliés dans leur ferveur pour détruire ce monstre. Thank you.
Non, c'est pas bon. En fait, c'est très compliqué quand même. Là, franchement, j'ai une belle armée quoi. Le truc il tombe pas. Il tombe que dalle. C'est ouf. Faut le tuer avant. J'avoue, c'est plus énorme. Ouais, j'ai rien qui... Ouais, je vais chercher avec un truc qui m'a fait déjà dessus, hein. Que la bête se frayait une voie difficile, les Damasènes lancèrent leurs cris de guerre, ralliés dans leur ferveur pour détruire ce monstre.
Oui, mais j'ai bien compris qu'il fallait les cramer. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on peut créer la tour en fait, qui avait des forteresses ? C'est là l'erreur, peut-être, que je fais. Que je suis pas assez... Par des lanciers, j'ai rien à faire. Par des cavaliers, j'ai rien à faire. Oh,
C'est ouf avec autant d'unités. Il manque 300 quoi. 300, c'est rien 300. La bête se frayait une voie difficile. Les Damasènes lancèrent leurs cris de guerre, ralliés dans leur ferveur pour détruire ce monstre. Des débris et des flammes. Ces maudits architectes s'enfuirent honteusement, la queue entre les jambes, à la suite de leur échec. Tyr, ville des anciens, portail de la Grande Bleue et désormais forteresse d'asile, célébra la victoire âprement remportée. Les Tyriens pleurèrent et remercièrent Dieu pour l'envoi de ces intrépides libérateurs d'Amasène. Bon, bon, on a terminé. Bon, je sais pas s'il y a une meilleure stratégie, mais on a brûlé. Bon, victoire.